Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Chaque peuplement humain, pour pouvoir vivre en société, a dû inventer et déployer des moyens de gouvernance ou des règles communes qui permettent le vivre ensemble. Les sociétés occidentales sont dans l'ensemble régies par un même système. Demos Kratos, le pouvoir du peuple. Nous connaissons tous l'origine géographique et temporelle de la démocratie, la Grèce antique. Elle s'épanouit à Athènes, au 5e siècle avant notre ère, dit « siècle de Périclès ». Si son rayonnement a été immense, la démocratie s'est également installée dans d'autres cités grecques. Le mot « démocratie » apparaît en premier lieu dans l'œuvre du Perse Otanès, un barbare pour les Grecs. Son œuvre se présente sous la forme de trois discours opposés, constituant le texte fondateur de la pensée politique occidentale, avec la comparaison des atouts et défauts de trois régimes politiques. Tout d'abord, le gouvernement d'un seul, appelé monarchie ou tyrannie. Ensuite, l'oligarchie ou le gouvernement d'un petit nombre. Et finalement, la démocratie ou la puissance du peuple. Pour l'auteur, deux sentiments sont à l'origine du mal quand un seul homme détient le pouvoir. Tout d'abord, l'hybris, ou la volonté d'une puissance démesurée. Et l'autre, qui est inné à l'homme, le phtonos, ou la jalousie, vis-à-vis des autres entraînant la violence à l'égard des rivaux potentiels. La démocratie, par le pouvoir du nombre, protège de ces dangers tyranniques qui sommeillent en chaque individu. Elle se définit par une égalité devant la loi, par la prise de décision en commun dans l'assemblée du peuple, par une limitation du pouvoir des magistrats qui sont choisis par tirage au sort et soumis à une vérification des comptes, les mandats ne pouvant excéder un an. Pour participer à la vie publique, il faut être citoyen, ce qui exclut les femmes, les enfants, les non-libres, les esclaves et bien sûr l'ensemble des barbares, ceux qui ne parlent pas grec. La démocratie, régime qui permet d'éviter la tyrannie d'un seul homme, fait ainsi son apparition progressivement en France après la Révolution française, lorsque la monarchie est définitivement révolue. Cependant, à l'époque grecque, c'est un travail de tous les jours, une participation active du citoyen pour contrebalancer les différentes instances du pouvoir. Aujourd'hui, que nous reste-t-il de notre participation citoyenne dans la vie politique ? Le vote pour le président, les députés ou encore les maires? Quoi de plus? Pas d'assemblée citoyenne, pas de contre-pouvoir particulier, excepté un difficile appel à la justice. Pourquoi est-il si difficile de maintenir une démocratie? Tout d'abord parce que le modèle démocratique suppose une intervention de chaque citoyen qui ne peut se faire qu'à petite échelle. Or, 67 millions d'habitants commencent à faire beaucoup pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Selon Emmanuel Todd, anthropologue et historien, la démocratie s'étiole et risque de ne plus être. Les facteurs de sa dissolution sont multiples, mais suivent un processus historique identifié. Il s'agit de la perte progressive d'idéologie économique, dont le premier symptôme a été la présidence de Nicolas Sarkozy. Je cite « Respect des forts, mépris des faibles, amour de l'argent, désir d'inégalité, besoin d'agression, désignation de bouc émissaire dans les banlieues, dans les pays musulmans ou en Afrique noire, vertige narcissique, mise en scène publique de la vie affective. » Il s'agit ainsi d'une rupture nette après la gouvernance de Jacques Chirac qui s'opposait encore un peu à la domination américaine avec son refus de la guerre en Irak. Les dérives linguistiques et comportementales du président Nicolas Sarkozy représentent la face sombre du peuple français,
son état de crise et d'angoisse. Emmanuel Todd résume les problèmes de fond de la société française par 5 éléments de la politique sarkozyste. Premièrement, l'incohérence de pensée qui constitue la naissance du vide idéologique et religieux du pays. Deuxièmement, la médiocrité intellectuelle qui renvoie à la stagnation éducative de la France, qui implique une véritable crise démocratique. Troisièmement, l'agressivité par un mécanisme d'exclusion du non-citoyen en période de crise, exclusion qui peut devenir explicite et aboutir à la désignation d'un bouc émissaire. Quatrièmement, l'amour de l'argent réintroduisant l'économie en tant que phénomène de pensée, ne permettant pas d'affronter les problèmes du libre-échange, de l'appauvrissement de la population et la montée des inégalités. En dernier point, l'instabilité affective ainsi que l'évolution des valeurs familiales. Une lente dérive anthropologique, selon Emmanuel Todd. Sans entrer plus dans le détail sur les gouvernances alternées de la gauche et de la droite de François Hollande à Emmanuel Macron, la dérive est bien là. Nous passons de la démocratie à l'oligarchie pour terminer sur le populisme actuel de la classe dirigeante. Pour rappel, le populisme est une approche politique opposant le peuple aux élites politiques, économiques ou médiatiques. Le néolibéralisme surplombe ainsi l'ensemble des partis de droite et de gauche comme étant le seul prisme de développement. Selon l'anthropologue, nous sommes de retour à une période de lutte des classes après une mondialisation qui arrive à terme. Les élites utilisent toujours les mêmes recettes pour diviser le peuple, utilisant les ressorts mis en avant par Sarkozy, l'argent comme réussite suprême et l'autre comme menace permanente à la réussite individuelle, tout en détruisant le système commun qui nous unit, santé, éducation, logement et bien plus, au profit du libre-échange et de l'enrichissement de multinationales ne participant pas à l'effort de cohésion sociale. Selon l'anthropologue, quand une société ne parvient pas à affronter les problèmes économiques, l'une des issues est la fuite dans l'irrationnel. Cela marche également pour le réchauffement climatique et le problème de l'habitabilité de la Terre. Taper sur les faibles pour soulager les nerfs est un mécanisme de compensation éprouvé. Aujourd'hui, nous pouvons le constater, on tape sur les activistes, les précaires du RSA, les immigrés, bien sûr d'autres vont suivre. Le vide idéologique de notre modernité amorce toujours une même rengaine court-termiste de nos élites qui ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat, n'apportant strictement rien à une sortie de crise. Le nivellement vers le bas des salaires dus à la main-d'œuvre bon marché chinoise et indienne ne peuvent qu'accélérer la dégradation d'un pays qui a tout délocalisé, préférant des gains de productivité sans jamais les réinvestir dans les piliers de la société qui permettent pourtant la cohésion sociale. Si nous fonçons dans le mur politique, c'est que plus rien ne guide nos pas, excepté une vie terrestre riche au mépris des autres, y compris de notre environnement. Les tensions rencontrées en France ne sont pas inédites. À travers l'Europe et à travers le monde, la même crispation des peuples est le résultat de ce même vide idéologique, économique et donc politique. La corruption atteint un sommet qui rappelle sans cesse les effondrements de civilisation. Lorsque l'arrogance fait fi des attentes du peuple, la chute n'est jamais très loin. Repenser les dogmes économiques en adéquation avec les ressources disponibles paraît évident, pourtant nous continuons de croire en une croissance illimitée tout en nous désinvestissant de notre rôle politique en tant que citoyens. On ne peut rester chez soi et attendre que les choses viennent. La servitude qui semble nous sécuriser n'est qu'un leurre lorsque les élites ne travaillent plus pour le peuple. Alors, qui aura-t-il après la démocratie ? Selon Roland Gori, psychanalyste, le conformisme par l'évaluation est en cours. Les chiffres sont partout, dans le chiffre d'affaires ramené par le salarié, dans l'évaluation de l'étudiant, dans les statistiques des sondages. Les chiffres sont partout. L'évaluation sociale permet ainsi de soumettre l'humain à la compétitivité et à la méritocratie pour être concurrentiel. Ce système philosophique, dont le meilleur est issu de la sélection naturelle, signifie que l'on ne doit pas protéger le plus faible, pour ne pas ralentir le progrès de compétitivité. Cependant, cette vision restrictive de l'être humain est à l'origine des nationalismes. Si le libéralisme prétend l'autorégulation du marché sans l'intervention de l'État, le néolibéralisme est la mise en concurrence mondialisée. Les États ont ainsi la charge de civiliser leurs services et citoyens
sur le modèle de la concurrence. Cette hybridation du public et du privé est donc la mission de l'État néolibéral que nous pouvons constater dans nos services publics actuellement, où il ne s'agit plus d'éthique professionnelle ou de qualité de service, mais bien d'une rentabilité financière. Cependant, le meilleur prix ne permet pas la meilleure qualité. Cette taylorisation des tâches professionnelles qui passe par une médiation très standardisée est paradoxale. Elle se situe entre incitation à la compétition et en même temps une organisation du travail qui repose sur des tâches abrutissantes. Le film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin en est un excellent exemple. Le geste technique devient alors un habitus, comme le désigne le sociologue français Pierre Bourdieu. C'est un style de vie, une présence au monde, qui s'étend aujourd'hui à l'ensemble des métiers. Une robotisation des tâches, illusion du meilleur par la concurrence où les tâches sont définies par d'autres. Ce manque de sens et de liberté dans les emplois prolétarise au sens donné par Marx, c'est-à-dire le résultat d'une confiscation de la décision et de la responsabilité de l'ouvrier par l'emploi de la machine ou des processus établis par les directions. Nous ne sommes plus que des exécutants. Selon Hannah Arendt, personne n'est plus malheureux qu'une personne sans travail dans une société dirigée par le travail. Être exclu du conformisme social est une souffrance énorme. Aujourd'hui, attaquer les plus précaires ou tout dissident à la soi-disant nécessaire compétitivité est l'outil du néolibéralisme pour créer le conformisme nécessaire pour que chacun rejette l'autre comme maillon faible d'un progrès, pourtant irrationnel dans les crises en cours. Le psychanalyste nous rappelle également que les citoyens ne sont pas incités à parler, voire non autorisés, comme nous pouvons le comprendre par l'usage du terme « terrorisme intellectuel » du gouvernement en place. Or, ne pas parler, ne pas échanger, ne pas dialoguer, c'est ne pas penser. Nous sommes, comme il le dit, dans une société du bavardage qui a passé le langage dans la moulinette du commerce. Cette parole occupe tout l'espace mais n'engage pas à l'action, car la liberté, ici de penser, requiert celle d'autrui. Selon lui, Emmanuel Macron se met au service des mauvaises causes. Il est la corporification du néolibéralisme. Toute valeur est produite par le marché et la concurrence. Il incarne ce dont les anciens présidents avaient rêvé. Roland Gori observe également une crise de la valeur de la parole politique. Après Sarkozy, nous ne croyons plus à la droite. Après Hollande et mon ennemi et la finance, nous ne croyons plus en la gauche. Emmanuel Macron, comme le théorise Machiavel, a profité de cette chance pour obtenir le pouvoir. Cependant, s'il n'a eu aucune difficulté à l'atteindre, sa plus grande difficulté sera de s'y maintenir. Aujourd'hui emportés par des flux d'informations, nous ne pouvons plus hiérarchiser notre pensée et n'avons plus le temps de les digérer. Cette perte des valeurs présuppose une crise d'identité, mot fourre-tout, puisque l'identité n'existe pas, elle est toujours le condensé de notre propre histoire, un mirage récurrent. Elle nous permet cependant d'avoir une vision nécessaire pour l'appartenance à une société. Les crises engendrées par la fin de la mondialisation après une atomisation des populations, accompagnée d'une homogénéisation des biens et services culturels, ont créé un individu massifié, soumis de plus en plus aux affres de la terreur et de l'insécurité. Aussi, la recherche d'un besoin d'ancrage passe par l'identité nationale, religieuse ou toute autre identification assurant une certaine sécurité et donc une certaine vision d'un avenir qui apparaît aujourd'hui assombri. Ainsi, selon Roland Gori, l'après-démocratie n'est que l'ombre planante d'histoires humaines passées, d'une orbanisation des démocraties libérales où l'autoritarisme reste le seul outil d'une irrationalité politique, d'un illibéralisme en cours. Pour conclure, le monde s'est scindé entre l'irrationalité du libéralisme qui doit perpétuer ses promesses illusoires de liberté en créant un conformisme déterminant notre valeur sociale au mépris des droits de chacun, et le souhait d'un monde plus résilient fondé sur le lien, la confiance en la parole donnée, la solidarité plutôt que la compétition. C'est bien une lutte qui est en cours. Comme le dit le philosophe Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 oh. C'est...
C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Green, absolument. Green, plus Green.